Dans les images qui suivent, je vous présenterai la procédure d'installation du système sur le modèle d'imprimante Canon IP4850. Pour commencer, nous soulevons le couvercle de l'imprimante, puis nous allumons l'imprimante et nous attendons que le chariot d'impression se place sur l'emplacement défini pour le changement des cartouches. En ce moment, nous déconnectons l'imprimante de la source électrique. Puis, nous devons introduire la tête d'impression. Avant de la faire, nous devons fixer les garnitures pour l'étanchéité du système. Celle-ci se positionne autour des buses de la tête d'impression en le pressant doucement pour une fixation optimale. En ce moment, nous détachons le couvercle de protection de la tête d'impression et l'introduisons dans l'imprimante en soulevant le lavier de fixation de ce couvercle. Cela fait, l'étape suivante est l'introduction des cartouches du système. Pour ce faire, on a utilisé les puces des cartouches ordinaires de l'imprimante. Pour éviter les fuites d'encre, nous devons descendre les réservoirs externes aussi bas que possible. Ensuite, nous détachons les protections des cartouches et relevons progressivement les réservoirs pour qu'ils nous permettent d'introduire les cartouches dans l'imprimante. Une fois les cartouches bien introduites, nous pouvons relever les réservoirs sur la table à côté de l'imprimante.
Ensuite, nous devons attacher le clip en forme de T pour le soutien des tuyaux à la mi-course que fait le chariot d'impression. Pour ce faire, vous devez effectuer un moulage pour copier la configuration de la carcasse de l'imprimante. Puis, vous détachez la bande adhésive et collez le clip. Après avoir attaché ce clip, vous déplacez le chariot d'impression vers la droite, puis vous conduisez les tuyaux vers la gauche et revenez vers la droite, moment auquel vous introduisez les tuyaux dans le clip. Aussi presque possible de la base du découpage de l'imprimante. Cela fait, vous avez besoin d'une bande de papier que vous pliez. À l'aide de laquelle vous bloquez le capteur du capot. En ce moment, vous devez attacher la deuxième clip à la sortie de l'imprimante. Ensuite, vous connectez l'imprimante à la source électrique. En ce moment, vous devez installer le filtre à air. La partie grosse à l'intérieur du réservoir à la place des petits bouchons. Pour ce faire, vous devez d'abord incliner le réservoir à 90 degrés. Ensuite, vous sortez les bouchons et introduisez les filtres, la partie grosse à l'intérieur. En ce moment, vous descendez le couvercle de l'imprimante en pressant sur sa partie gauche et allumez l'imprimante. Vous maintenez la pression jusqu'à ce que l'imprimante s'allume et fait un petit programme de reconnaissance des cartouches. Ensuite, vous pouvez libérer le couvercle. En ce moment, l'imprimante est prête pour l'impression. L'étape suivante étant la connexion à l'ordinateur.